Ne cherchez pas l'information sur le site du ministre de la Transition écologique. La réunion de travail avec Gilles Siméon, il ne fera l'objet d'aucune communication publique. Un courrier sera adressé, mais plus tard, par François de Rugy à Gilles Siméon. Le président de l'exécutif l'affirmait, lui, dès hier. L'État ne voudrait plus du gazoduc. La conduite de gaz prévue pour relier la centrale de Lucha à Nacelle, future d'Ajaccio. Trop cher. Une autre solution technique est à l'étude, mais Gilles Siméon y craint que les choix de la Corse, le gaz et le calendrier ne soient plus respectés. J'ai dit au ministre que si le gouvernement devait ou souhaitait envisager cette option, eh bien, il devait le dire officiellement d'une part, et d'autre part, ça ne pouvait pas conduire à remettre en cause la procédure de dialogue concurrentiel qui est en cours actuellement sur la question du gazoduc, et surtout, ça ne peut pas remettre en cause le calendrier extrêmement contraint qui doit nous amener vers l'autonomie énergétique. L'arrivée du gaz est théoriquement toujours prévue pour 2023. Mais les représentants des associations sont, eux, de plus en plus sceptiques. La proposition de l'État, construire des caissons de stockage sous-marin pour le gaz en remplacement du gazoduc, ils n'y croient décidément pas. Il faudra donc lancer d'autres études pour démontrer que ce projet que donne le ministre aujourd'hui est viable au moment où la centrale va démarrer, en 2023. Si ça n'est pas le cas, ça voudrait dire que la centrale va démarrer au fioul. Et on connaît la chanson, si la centrale démarre au fioul, on va rester au fioul pour très longtemps. L'actuelle centrale d'Ajaccio est à bout de souffle. La peur des agents, une panne des moteurs, un blackout électrique général sur la Corse. Les syndicats dénoncent les retards et les remises en question de l'État. Nous, la position est claire. 2023, il faut que la centrale commence. On va tout faire pour qu'elle commence au gaz, on va pousser. Mais même si le gaz n'y est pas, on fera comme on a fait à Lucan, une centrale qui est modulable. Mais il faut l'ouvrir à tout prix. Des inquiétudes, une incompréhension d'autant plus grande que du côté d'EDF, tout est prêt pour démarrer les travaux.